C'est parti pour le coin neuf chez Primark. Alors je vais vous faire un coin neuf chez Primark spécial été. Parce que je pense pas que cet été j'aurai le temps de venir filmer. Et en plus ça, ils sont en train de faire des travaux dedans. En tout cas, ils sont en train de l'agrandir, donc c'est bon, c'est cool quoi. Pour les prochains coins neufs. Donc c'est parti. Je vais commencer par la déco comme d'habitude. Je vais essayer de parler moins que d'habitude et juste mettre un peu de musique. Je sais pas, dites-moi si ça vous plaît comme ça, on teste comme ça. Et puis si vous préférez quand je parle, bah, la prochaine fois je parlerai. Donc c'est parti. À la beauté, j'ai l'impression qu'ils ont agrandi le point beauté. Déjà avant c'était en bas, maintenant c'est en haut. Une grosse éponge
Beauty Blender, genre, mais énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à ma main. D'un côté vous avez un rouge à lèvres liquide et de l'autre côté vous avez un topper à paillettes. Je comprends pas trop comment ça marche en fait là. Bah. Ah oui d'accord. Ça y est. Comme ça, facile à transporter. Vous avez encore du rangement au niveau de là. Franchement, c'est pas mal du tout. Ils ont sorti un dupe, vous savez, de la machine qui nettoie les pinceaux là. Vous avez fait une revue sur la vraie machine il y a au moins 2 ans. Pourquoi pas le tester et le comparer avec la vraie. Ici, elle coûte 8 pounds et l'autre, je l'avais payé 60. Mais je sais que l'autre, depuis, elle a baissé quoi. Bon allez, on passe aux vêtements.
ce pantalon avec des fleurs et sur le côté une petite bande. On dirait le jean que j'ai acheté chez New Look, enfin c'est le même en fait, sauf qu'il est plus fin, mais sinon le design c'est vraiment pareil.